Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 39 de la page 163. C'est un exercice assez ouvert, assez difficile d'accès, surtout dans les premières étapes où il faut bien comprendre ce qui est demandé et le lien avec le cours et les outils que nous avons vus dans cette partie. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tout d'abord de regarder l'énoncé. Lorsqu'on regarde l'énoncé, il est très court. Quelles doivent être les dimensions d'un rectangle? On nous demande donc les dimensions d'un rectangle. Et on nous donne une seule donnée, dont l'aire est égale à 64 cm². Ça, c'est la seule donnée que nous connaissions. L'aire est égale à 64 cm². Mais on veut les dimensions telles que son périmètre soit minimal. Et c'est ça qui doit vous guider. C'est le mot qui est important là-dedans, c'est le mot minimal. Pourquoi est-ce que le mot minimal est le mot le plus important de cet énoncé? Parce qu'on a vu dans ce chapitre des questions d'optimisation. Comment chercher un maximum ou un minimum, le maximum ou le minimum d'une fonction? Et comment est-ce qu'on cherche le maximum ou le minimum d'une fonction? Grâce à la dérivée de cette fonction. Donc ici, on n'a pas de fonction pour le moment. Donc on va faire comme ce qu'on fait d'habitude en géométrie, c'est-à-dire d'abord commencer par faire un dessin. Faisons donc un dessin et dessinons un rectangle. Un rectangle dont les dimensions sont complètement inconnues et qu'on va appeler A et B pour la longueur et la largeur. Bien entendu, vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez, petit L et grand L, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Nous savons simplement qu'à l'intérieur de cela, nous avons 64 cm². 64 cm² à l'intérieur, en couleur pailletée donc. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va déjà se demander quel est le périmètre de ce rectangle. Alors la formule du périmètre, vous la connaissez, hein, la formule du périmètre d'un rectangle, c'est la longueur totale de son contour, c'est-à-dire A plus B plus A plus B, qu'on peut écrire autrement. Le périmètre, c'est 2 fois A plus 2 fois B. Bien, et il se trouve qu'on nous demande un périmètre minimal. Ce qui sous-entend que même si l'aire est constante, 64 cm², les dimensions peuvent bouger de telle sorte qu'on ait la même aire et un périmètre différent. Alors, pour que vous soyez bien conscient de ce qui se passe, on peut parfaitement avoir des dimensions différentes et une même aire. Hein. Par exemple, si on prend un rectangle de dimension 2, par 32, on va bien avoir une aire qui fait 64 cm². Et vous voyez ici que le périmètre, ce sera 2 fois 2, 4, plus 2 fois 32, 64. On aura donc 68 de périmètre, par exemple. Il y a également, pour la même aire, un rectangle de 4 par 16 qui est possible. Ça fait aussi 64. Et on a aussi un rectangle de 8 par 8 qui est possible. Ça fait aussi 64. À vrai dire, c'est un rectangle particulier, dans ces cas-là, ce sera un carré. Et vous voyez qu'à chaque fois, si vous faites le calcul, le périmètre sera différent. Donc vous avez la même aire, mais des dimensions différentes et un périmètre différent. Ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les valeurs qui vont donner le périmètre le plus petit, telle est la question. Donc voilà comment on commence, on fait un dessin, on note A et B les contours, on écrit la formule du périmètre, on se rend compte qu'on peut avoir des périmètres différents et des dimensions différentes avec une aire constante. Et donc, à partir de là, on va pouvoir commencer. Bien. La seule donnée qu'on connaisse, en dehors de P égale 2A plus 2B, qui n'est pas vraiment une donnée du problème, qui est une donnée qu'on connaît depuis le collège, c'est le fait que l'aire fasse 64 cm. Très bien. Alors, on a beau ne pas connaître les dimensions, donc je vais les effacer, hein, puisqu'elles vont nous induire en erreur plus qu'elles vont nous aider. C'était juste pour vous montrer ce qui se passait. On va pouvoir écrire que l'aire qu'on connaît, c'est A fois B, et c'est égal à 64 cm². Laissons l'unité de côté pour le moment. Puisqu'on connaît ça, ici on a deux inconnus, à la fois A et à la fois B. Vous savez qu'on n'aime pas trop traiter avec deux inconnus simultanément. Donc on va se dire que si A fois B égale 64, on a une relation entre A et B, et donc on peut parfaitement dire que A, prenons B plutôt, pardon, ce sera...
vous pouvez faire parfaitement l'inverse, hein. Par convention, je préfère remplacer B et je peux dire que B est égal à 64 sur A. Je peux le dire évidemment, il faut bien faire attention que A soit différent de 0. Ici, c'est bien entendu le cas. A est une longueur. Si la longueur était nulle, il n'y aurait plus vraiment de rectangle, ce serait juste un trait. Donc on a bien A différent de 0, on peut bien écrire donc 64 divisé par A, il n'y a pas de problème. Donc je sais que B, c'est 64 divisé par A. Bien, eh bien cette relation-là, ici, je peux très bien l'utiliser pour remplacer B dans cette formule, et donc ne plus avoir un périmètre avec deux variables, A et B, mais avec un périmètre avec une seule variable, qui sera ici A, puisque je vais remplacer B par 64 sur A. Faisons-le, et écrivons donc que le périmètre, ici, ce sera 2 fois A, plus 2 fois 64 sur A, puisque j'ai remplacé B par 64 sur A. Je développe tout ça, et je vais obtenir 2A plus 128 sur A. En mettant même dénominateur, j'obtiens, alors évidemment, hein, il faut ici mettre sur A, donc si je divise par A, je vais devoir multiplier par A en haut, et on aura des A carrés, et donc j'ai directement au dénominateur ceci, ce qui me donne, en écrivant sur la même fraction, que ça nous donne 2A carrés plus 128 sur A. Bien, voici donc mon périmètre. Je sais que le périmètre, il vaut 2A carrés plus 128 sur A, lorsque l'aire vaut 64 cm carrés. J'ai utilisé tout ce que je pouvais faire, le dessin, mes connaissances de cours, les formules de l'énoncé. Je ne peux plus rien utiliser d'autre, mais j'ai ce que je cherchais. La voilà, ma fonction. J'ai un périmètre en fonction d'une variable. J'ai donc, en quelque sorte, d'ailleurs pas du tout en quelque sorte, j'ai donc exactement P de A, le périmètre en fonction de A. J'ai donc la formule du périmètre, j'ai bien une fonction. Alors, si vous n'aimez pas utiliser les A et que vous préférez les X, on va appeler la fonction périmètre, on va l'appeler P de X, et on va la réécrire juste à côté pour regarder ce qui se passe. Donc, P de X, mon périmètre, c'est donc 2 fois X au carré plus 128 divisé par X pour n'importe quel X différent de 0, bien entendu. Du coup, cette fonction est définie sur R étoile, x différent de 0, et on peut la dériver. On sait la dériver. Pourquoi est-ce qu'on va la dériver? Parce que je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est de voir quand est-ce que ce périmètre est minimal. Donc pour savoir quand la fonction périmètre va être minimale, il va falloir que j'étudie la dérivée de cette fonction périmètre. Donc étudions donc cette fonction périmètre. On remarque qu'elle est de la forme une fonction numérateur sur une fonction dénominateur, vous aurez donc reconnu une forme U sur V. Donc vous allez avoir, j'écris directement, hein, que P' de X, la dérivée du périmètre, sera de la forme, en utilisant la formule que vous connaissez désormais bien, U'V moins UV' sur V carré, avec U de x qui vaut le numérateur, c'est-à-dire 2x au carré plus 128, u' de x qui vaut la dérivée de ceci. Alors, la dérivée de 2x au carré, c'est 4x. La dérivée de 128, c'est 0, c'est une constante. Donc là, on aura bien u' qui vaut 4x. On a v de x qui vaut juste x, c'est notre dénominateur, et vous savez que la dérivée de x, c'est simplement 1, voilà, je vais rajouter v carré de x, qui vaut simplement x au carré. Normalement, nous avons tout ce qui nous intéresse pour calculer, pour écrire p' de x. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un peu de place sur notre écran, et d'éliminer tout ceci qui n'est plus très utile pour le moment, puisqu'on a trouvé la formule qui nous intéressait. Supprimons cela et poursuivons juste à côté de notre écran. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc la dérivée P' de x qui est égale à,
je fais le calcul à part, j'écris U', c'est 4x, fois V, fois X, moins, attention, la parenthèse, c'est tout le reste qui est concerné par le moins, 2x au carré plus 128 pour ce qui concerne U, multiplié par 1 pour V' sur X au carré. Voici donc V', et dans ces cas-là, je peux écrire par le calcul qu'on obtient 4x fois x, 4x au carré, moins 2x au carré, moins 128, puisque multiplié par 1 ne changera rien à ma parenthèse, et que le moins, pardon, excusez-moi, et que le moins affecte l'intégralité, ce moins-là affecte ceci et cela, hein. Donc j'aurai bien moins 2x moins 128, attention c'est une erreur fréquente, on n'oublie pas le dénominateur, hein, divisé par x au carré, et on trouve que p' de x, la fonction dérivée, vaut donc 2x au carré moins 128 sur x au carré. Bien, je viens de trouver ma fonction p' de x. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la fonction dérivée? C'est l'étude de son signe. On sait qu'on va obtenir un extrémum, c'est-à-dire ici dans notre cas un minimum, lorsque la fonction dérivée s'annule et change de signe. Vous savez que si on a un extrémum, la fonction dérivée est nulle, mais que si la fonction dérivée est nulle, on n'est pas sûr d'avoir un extrémum. Dans le cours, c'est déjà été bien clair, il faut rajouter une condition supplémentaire, qui est qu'on doit avoir la dérivée qui change de signe. Donc en fait, on doit étudier complètement le signe de cette dérivée, pour savoir déjà quand est-ce qu'elle vaut 0 et quand est-ce qu'elle change de signe. Donc étudions le signe de cette dérivée. Ce coup-ci, c'est cela que je vais enlever pour faire de la place. Étudions donc le signe de cette dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Que ceci, déjà, au dénominateur, c'est un carré. C'est donc tout le temps positif, strictement, puisque x ne peut pas être égal à 0, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est donc strictement positif, ça ne va pas nous poser problème. Donc le signe de la dérivée va uniquement être dépendant du signe du numérateur, c'est-à-dire il sera du signe de ceci. Il aura le même signe que 2x² moins 128. Comment est-ce qu'on fait le signe de 2x² moins 128 ? C'est un polynôme du second degré. On doit donc étudier le signe d'un polynôme du second degré. Bon. Faisons cela. Regardons déjà les racines de ce polynôme. Alors, on va dire que 2x au carré moins 128 est égal à 0. Pour savoir quelles sont ses racines, comment est-ce qu'on fait ça? Soit on remarque une unité remarquable, qui n'est pas tout à fait simple à traiter, de la forme a carré moins b carré, il va y avoir des racines partout, ça ne va pas être très joli. Ce qu'on fait plus classiquement dans ces cas-là, si on le voit pas, c'est delta. Hein. Donc vous calculez le delta, faites bien attention, puisque ici on a, là, on a la valeur de a, et ici on a la valeur de c. Il n'y a aucun terme en juste x, on a les termes en x carré et les constantes. Donc on a a qui vaut 2, b dans notre cas qui vaut 0 hein, dans notre polynôme ici, et c qui vaut moins 128. Lorsque vous faites ça, je vous laisse rédiger et faire correctement les calculs, vous trouverez un delta qui vaut 1024 à l'aide de b carré moins 4ac, et vous en déduirez les racines x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a, puisque ceci est positif, il y a donc bien deux racines. Ces deux racines, vous les trouverez par le calcul, x1 vous donnera moins 8, et x2 vous donnera plus 8. Vous avez donc deux racines possibles, x1 qui vaut moins 8, x2 qui vaut plus 8. Bien. Arrêtons-nous un instant et n'oublions pas ce dont nous parlons. Il faut toujours rester dans le contexte. On cherche ici les dimensions. La dimension a, c'est ce qu'on a remplacé x par a tout à l'heure, c'est la valeur a qu'on cherche, hein, d'un périmètre. A, c'est la longueur du côté d'un rectangle. Ça ne peut donc jamais, à aucun moment, être négatif. Donc mathématiquement, cette solution est parfaitement exacte, mais en réalité, comme nous sommes dans un exercice de géométrie, la seule solution qui peut nous intéresser, c'est celle-là, x égale 8. L'autre n'a pas vraiment de sens, une longueur ne peut pas être négative. Donc on va donc, pour l'instant, avant de se traîner deux valeurs dont une ne nous servira à rien, directement l'éliminer, puisqu'on sait
que ça va être une longueur négative, ça n'a aucun intérêt. Donc la seule solution possible sera x2 égale 8. Bien. Donc je sais déjà quand est-ce que mon polynôme s'annule et quelles sont mes racines, je vais en sélectionner une. Pour faire le signe du polynôme, j'ai besoin d'une autre donnée que j'ai déjà, hein, c'est le signe de a. A ici est positif. J'aurai donc, je vous le rappelle, une fonction polynôme qui aura une courbe en cloche avec deux racines, on va faire ça, deux racines, hop là, à des endroits différents, moins 8 et 8, vous le savez. Et vous savez que comme a est positif, il aura la tête d'un sourire, et donc elle sera positive ici, cette fonction, positive là également, et négative entre les deux racines, ça vous le savez. Donc elle sera du signe de a, je vous rappelle que c'est ça le théorème, du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire positive à l'extérieur de nos deux racines et négative entre les deux. Je peux donc directement tracer le tableau de signe, un tableau de signe amélioré dans le contexte de la géométrie, puisque je sais déjà, hein, vous savez que toutes les valeurs négatives ici ne nous intéresseront pas, puisqu'on aura uniquement des valeurs positives pour les x, les longueurs, donc on pourra faire notre tableau de signe directement en commençant ici à 0 et en ne nous intéressant pas du tout à ce qu'il y a avant. Donc ce que je vous propose, c'est de tracer ce tableau de signe réduit en expliquant ça, hein, en expliquant que ce sont des longueurs, donc elles ne peuvent pas être négatives, donc on commence notre tableau de signe à 0, on a donc x qui commence à 0, la valeur remarquable qui est 8, une valeur qui peut tendre aussi loin qu'on veut, et dans ces cas-là, le signe de P', je vais écrire le signe de P', ma fonction dérivée, ça sera, elle va s'annuler, ici on vient de le voir en 8, elle vaudra 0, elle sera, comme on le voit sur ce graphique, négatif entre 0 et 8, 8 étant la valeur ici, hein, et positive après, hein, donc on va directement le reporter dans le tableau, négative entre 0 et 8, et positive de 8 à plus l'infini. Bien, je viens de trouver le signe de P'. N'oublions pas pourquoi je fais ça. Je fais le signe de P' pour savoir quand est-ce que ma dérivée s'annule l'échange de signes pour trouver le minimum de ma fonction. Donc juste en dessous, je vais parler de ma fonction. J'ai bien ici, par chance, une dérivée qui s'annule, elle vaut 0, et qui change de signe, qui passe de moins à plus. Donc je suis parfaitement dans le cas d'un extrémum. Et cet extrémum-là, on peut même, maintenant qu'on a le tableau complet, on peut même mettre les variations de P. Pardon, j'écris très mal, c'est pas simple sur un écran. Elle va donc être décroissante sur 0,8, ma fonction P. Mon périmètre va diminuer à mesure que le côté augmente jusqu'à 8. Et après, une fois passé 8, il va remonter. On aura donc une valeur minimale, qui est bien un minimum puisque ma dérivée s'annule l'échange de signes. Graphiquement, on voit bien ici qu'on a un minimum puisque la fonction est décroissante et croissante, qui sera pour la valeur x égale 8. Donc j'ai exactement ce qu'il me faut. Je n'ai a priori pas besoin de calculer ce périmètre, même si on le pourrait. Si vous pouvez calculer ici, vous aurez P2, 8 qui vaut 32, vous pouvez. Ça n'est pas tout à fait demandé, ça n'est pas important. On a juste besoin de savoir que la valeur de A qui nous intéresse, c'est lorsque A vaut 8 cm, puisque lorsque X est égal à 8, on a bien le périmètre qui est minimum. Donc revenons juste à côté de nos dessins pour conclure sur les dimensions, puisqu'on ne nous demande pas simplement une, mais l'ensemble des dimensions. Donc je sais maintenant, à l'aide de la dérivée, que mon périmètre sera minimum lorsque un des deux côtés, A, vaudra 8 cm. Bien. Il me reste à trouver la valeur de l'autre côté. Eh bien, je sais que B est égal à 64 sur A. J'ai donc à trouver la valeur, ici je vais remplacer par 8, et je vais trouver que B lui aussi vaut 8 cm. Donc les dimensions du rectangle tel que son périmètre soit minimal avec une aire constante de 64 cm² est en réalité un carré qui aura donc pour côté 8 cm, A et B étant égaux à 8 cm. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on traite ce problème, qui est un problème complètement ouvert. Je récapitule. On a un énoncé dans lequel on donne juste une aire,
On demande des dimensions pour qu'un périmètre soit minimum, minimal. Donc, qui dit périmètre minimal dit variation d'une fonction périmètre. Le périmètre va varier en fonction des côtés, des dimensions du rectangle. Et donc, pour savoir quand est-ce que cette fonction est minimale, il faut étudier le signe de la dérivée de cette fonction. La première étape est donc d'utiliser les données du problème et ce qu'on connaît en géométrie pour trouver la fonction périmètre. La fonction périmètre qu'on a trouvée tout à l'heure en fonction de A, vous auriez pu faire exactement la même chose en fonction de B, vous auriez trouvé exactement le même résultat. Donc on a choisi de le faire en fonction de A en remplaçant à l'aide de ceci B par A dans notre fonction périmètre. On a donc une fonction périmètre en fonction de A. On la dérive, on étudie le signe de sa dérivée, qui se trouve être un polynôme du second degré que l'on sait parfaitement étudier ici. On a étudié le signe de ce polynôme second degré dans ce tableau-là. À l'aide de cela, on a déduit les variations de notre périmètre. Et donc, on sait parfaitement où est le minimum. Il est en 8, il vaut 32, lorsque un des côtés A vaut 8. On écrit donc que notre côté A vaut 8. On trouve le deuxième côté qui vaut lui 8 aussi. On a terminé. Les dimensions du rectangle tel que l'aire soit égale à 64 pour un périmètre minimal. C'est un carré de côté 8. Portez-vous bien, à bientôt.